Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler sérieusement entre vous et moi. Je vous rassure, je vais pas quitter YouTube, j'ai l'intention de rester. Je vais plus parler d'un sujet qui va peut-être faire polémique sur ma chaîne, mais d'un côté, j'ai envie que vous soyez au courant, car j'ai envie que vous me connaissiez davantage. Et c'est mon but, voilà. Et aussi d'un côté, d'apprendre à vous connaître aussi de votre côté, parce que voilà, j'aimerais savoir votre point de vue me concernant, ce que vous pensez de moi, ce que voilà, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de moi. Et de ce que je vais dire aussi, car ce que je vais dire va peut-être impacter la chaîne, niveau visionnage, tout comme vie, communauté, et aussi d'un côté aussi projet, car non, ce que j'ai parlé va peut-être toucher de futurs projets qui pourraient être sympas à faire entre nous. Du coup, voilà, donc je pense que je vais me lancer. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, sur Snapchat, sur Discord, je suis gentil, je suis social, je suis câlin, je suis moi-même, voilà quoi. J'ai l'honneur de vous annoncer que dans ma vie, relation et communauté, je suis pansexuel et furry. Voilà, j'espère que le message a bien été clair, j'espère que les gens qui m'apprécient continuent à m'apprécier tel que je suis. Si c'est le cas, je vous remercie beaucoup du fond du cœur de m'apprécier tel que je suis. C'est pas assez facile de parler de ma pansexualité et du furry que je suis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pansexuel c'est la même chose que bisexuel mais dans un plus grand cadre. On parle de bisexuel qui aime un homme et une femme, et quand on parle de pansexualité, on parle de vraiment d'aimer la personne telle qu'elle soit, donc ça peut être un homme, une femme, un trans, un non-binaire, vraiment tout de A à Z. Donc on peut dire que, en tant que pansexuel, j'aime la personne telle qu'il soit. Et donc voilà, si jamais chérie, tu vois cette vidéo, je t'aime de tout mon cœur, je te fais plein de gros bisous. Si jamais tu vois cette vidéo, voilà, je t'aime beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un furry, c'est un personnage animalier anthropode qui se caractérise par des visages beaucoup plus cartoon, des pensées beaucoup plus humaines. Enfin, voilà. En fait, les furries, c'est des êtres humains, mais au lieu que ce soit des humains, ce sont des animaux anthropodes sur deux pattes. Voilà. Et malheureusement, pourquoi je dis malheureusement, c'est une communauté qui se fait cracher à la gueule, mais si seulement les anti-furies peuvent voir le potentiel des furies qu'ils ont, une grande majorité des personnes que je connais sont des furies, et franchement, ce sont tous des grands amours, ils sont tous compréhensibles, ils sont tous câlins, gentils, ils sont aucun tabou, ils sont francs, si quelque chose leur gêne, ils le disent. Coucou à la communauté furry, pour ceux qui, voilà, j'espère que vous êtes contents. Alors pour ceux qui veulent savoir c'est quoi mon furry, c'est un ado dragon, voici une image. Faudra que je fasse mon furry sur Natotar. Et concernant ce furry, j'aurais peut-être pour projet, je sais pas, d'implanter mon furry dans des vidéos, je sais pas, peut-être être un chef d'orchestre furry, ça peut être marrant, hein, c'est un projet sympa, marrant, en parler en tant que furry. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je suis pansexuel, je suis un furry. Et faire de l'être, donc tout ce qui est homophobe et anti-furry, ça dégage. Les commentaires et messages seront supprimés et bannis. Je sais, pour certains, ça va être un brise-cœur, mais ça, je suis désolé, faut bien que j'en parle, tôt ou tard, pour que vous puissiez m'accoler davantage. Mais pour ceux qui sont plus contents que j'ai pu sortir mes couilles sur la table, franchement, je suis content que vous m'acceptez tel que je suis. C'est pas facile d'en parler, surtout à des inconnus comme vous êtes venus, parce que moi, vous me connaissez, mais moi, je ne me connais pas. Et rien que fait de savoir que certains d'entre vous vont continuer à m'aimer tel que je suis, parce que voilà, je suis pansexuel, je suis furry, mais je reste tel que je suis. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, là, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir soutenu, enfin, merci de me soutenir encore. Je tiens à préciser que sur Utip, les articles Théo Coulon sont enfin arrivés. Alors, pour ceux qui veulent m'envoyer des photos, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Pour ceux qui ont acheté des articles, le mail est écrit dessus. Voilà, n'hésitez pas à me faire un don si vous voulez des contenus beaucoup plus poussés. Avant de finir cette vidéo, j'ai un message à vous faire parvenir. C'est concernant le feat avec Vlad. Ça se passera le 29 juillet. J'en ferai une annonce. Et juste préparez-vous au lien que je vous ai envoyé sur Discord, partout sur les réseaux sociaux. Et juste foncez, foncez, foncez. N'hésitez pas à lâcher un like, ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo à toutes vos familles, à vos potes, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, à moi, à celui de Vlad, mais surtout celui de Vlad, parce qu'il mérite amplement, il fait de super bon taf, et c'est dommage qu'il a peu d'abonnés en fait. Dans ce cas, je vous dis à 29 juillet pour le feat avec Vlad.
Et aussi à très bientôt pour de prochaines coupeaux et de prochaines vidéos. Bisous tout le monde, ciao.